Une personne qui est attachée à la Torah, qui est attachée à Kadosh Baruch Hu, qui a des pensées spirituelles et qui se détache du matériel, en faisant ça, il s'attache à Kadosh Baruch Hu, qui est une lumière infinie, supérieure. Il peut arriver à des niveaux spirituels exceptionnels, indescriptibles. Et c'est une erreur de se dire qui je suis, moi j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est trop tard, je pourrais pas, c'est trop haut. Or, nos sages ont dit que chacun doit se demander quand est-ce que je vais arriver aux actions d'Abraham Sraq Viakov. Au moins dans la Moussérot Nefesh, on peut y arriver. Au niveau spirituel, on peut monter très haut, tout dépend de sa volonté. En fait, là où la personne met sa volonté, et c'est son ambition spirituelle, il atteindra. Tu mettras ton ambition spirituelle haut, et plus tu atteindras, Bezrat Hashem. Car l'être humain a des forces spirituelles exceptionnelles. Maintenant, le Yetzara, son travail, c'est de te dire tu les as pas. Il ne faut pas se laisser endormir. L'être humain a des possibilités d'élévation spirituelle et énormes. Plus tu mettras tes ambitions spirituelles haut, et plus tu atteindras haut si tu mets bien sûr ta volonté dedans. Et tes efforts, bien entendu, et ta prière. Il faut rêver haut et loin. Mais si les gens n'y arrivent pas, c'est parce que leurs pensées les bloquent. Ils se mettent des limites à eux-mêmes.